Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur le cours de prolongement par continuité. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre des techniques pour pouvoir résoudre un exercice de prolongement par continuité. Ces différentes étapes sont très simples. Je viens d'énumérer ça lors de la prise en vidéo. Donc je vais ré-signifier tout ce que je viens de dire. Prolongement par continuité. Pour résoudre un exercice de prolongement par continuité, il faut procéder comme suit. Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction. Par exemple, DDF égale à R privé de A. Calcule la limite de la fonction au bon ordre du terme privé. Par exemple, A, qui était le terme privé. Constat. Si la limite est finie, c'est-à-dire que limite lorsqu'il s'en va A de f de x et que vous trouvez L, sachant que L appartenant à un réel, alors vous dites que f est prolongeable par continuité en A. Et vous précisez ce prolongement. Par exemple, soit G son prolongement. Une fois que c'est terminé, vous énoncez l'arbre qui suit. Pour x appartenant à d de f, g de x égale à la fonction f de x. Et g de a égale à l avec l appartenant à r. Deuxième constat. Si la limite est infinie, alors il n'y a rien à dire, seulement que f n'est pas dérivable en a. Chers amis, nous sommes en face désormais d'un exercice à 6 questions. L'on nous demande de savoir si l'on peut justifier par continuité f au point d'abscisse que nous déterminerons. Si oui, précisez, c'est prolongement. Chers amis, avec les 6 exemples, vous allez aujourd'hui comprendre comment fonctionne un prolongement par continuité. Peut-on prolonger par continuité f au point d'abscisse que vous déterminerez? Si oui, précisez ces prolongements. Chers amis, nous allons passer à la résolution de cet exercice. 1. X tend vers x au carré plus x moins 2 sur x plus 2. Cela peut signifier que désormais f de x est égal à bas de fraction x au carré plus x moins 2 sur x plus 2. Voici la fonction. Première technique à savoir, il faut déterminer le DDF. Déterminons DDF. Lorsque vous déterminez DDF, si vous avez une fonction rationnelle, vous prenez automatiquement le dénominateur. C'est-à-dire, si A sur B existe, si et seulement B est différent de 0. C'est cette propriété que je vais utiliser pour résoudre l'ensemble de définitions. Ici, notre B est x plus 2. Chers amis, nous allons donc procéder à déterminer l'ensemble de définitions. Pour x appartenant à d de f, l'on a x plus 2 qui est différent de 0. Pour x est différent de moins 2. Une fois que l'on détermine x qui est différent de moins 2, alors le d de f est égal à r privé de moins 2. La deuxième étape obligatoire à faire, c'est le calcul de la limite en sur moins 2. Calculons la limite de f en moins 2. Vous calculez la limite de f dans ce terme privé en moins 2. Alors, ça devient limite lorsqu'il s'en fait moins 2 de f de x est égal à limite lorsqu'il s'en fait moins 2 de la fonction qui est x au carré plus x moins 2 sur x plus 2. Vous essayez de remplacer et dès que vous trouvez forme indéterminée, vous passez à une règle. Nous allons essayer de remplacer dans un premier temps. La limite lorsque x tend vers moins 2 de moins 2 élevé au carré plus
moins 2, moins 2, sur moins 2, plus 2. En haut, nous obtenons 4, 4 moins 2, moins 2, on obtient 0 en haut et 0 en bas, ce qui nous donne forme indéterminée. Lorsque vous déterminez et vous trouvez forme indéterminée, automatiquement, vous devez appliquer une des propriétés, la technique de factorisation. Pour cela, nous allons faire expression conjuguée et subdivision euclidienne. Par division euclidienne. Nous allons diviser x au carré plus x moins 2 par x plus 2. X fois x me donne x au carré. X fois plus 2 me donne 2x. Nous allons multiplier par moins, annuler le premier, moins 2x avec cette écriture, me donne moins x. Nous allons faire descendre le moins 2. Il va combien de fois? Moins 1. Moins 1 fois x, on obtient moins x. Moins 1 fois plus 2, on obtient moins 2. Le tout multiplié par moins, le moins entre, on obtient 0 et 0. Une fois que l'on trouve 0 et 0, cela peut signifier que x au carré plus x moins 2 peut s'écrire sous la forme de x plus 2 facteur de x moins 1. Nous allons donc calculer la limite plus simplement. Donc, nous allons remplacer x au carré plus x moins 2 par son expression. L'on va trouver limite lorsqu'il tend vers moins 2 de f de x est égal à la limite lorsqu'il tend vers moins 2. Nous allons simplifier x plus 2 et x plus 2. Nous obtenons x moins 1. Nous allons remplacer le x par moins 2. On obtient par la suite limite lorsqu'il tend vers moins 2 de moins 2 moins 1. On obtient par la suite donc limite lorsqu'il tend vers moins 2 de moins 3. Qui nous donne moins 3. Et ce moins 3 appartient à un réel. C'est ce que l'on appelle L. La limite lorsqu'il tend vers moins 2 de f de x est égale à moins 3. Automatiquement, comme moins 3 appartient à R, vous devez donc conclure. Alors, F est prolongeable par continuité en moins 2. Alors, soit j'ai ce prolongement. Donc, vous imposez une lettre qui est appelée G son prolongement. Et vous finissez avec le schéma. Pour x appartenant à l'intervalle R privé de moins 2, la fonction f de x désormais est égale à la fonction g de x. D'une part, vous obtenez par la suite g de la valeur moins 2 est égal au nombre trouvé, moins 3. Alors, vous précisez que moins 3 appartient à R. Du coup, la fonction va être réalisée tout en remplaçant f de x par la fonction principale, x au carré plus x moins 2, le tout sur x plus 2. Chers amis, voici comment l'on procède pour déterminer le prolongement par continuité. Nous allons passer à l'étape numéro 2. X tend vers x au cube moins 1 sur x moins 1. Cela peut signifier que la fonction f de x est égale à x au cube moins 1 sur x moins 1. Cette première technique à savoir, c'est de calculer l'ensemble des définitions. Donc, déterminant d de f. Alors, comment déterminer d de f? Pour x appartenant à d de f, l'on a x moins 1 qui est différent de 0 car on a un dénominateur, où x est différent de 1. Une fois c'est écrit, d de f est égal à r privé de 1. Nous allons donc calculer
la limite de f en 1. Cher ami, comment calculer la limite de f en 1? Pour cela, sachez bien que limite lorsqu'il tend vers 1 de f de x est bel et bien limite lorsqu'il tend vers 1 de x au cube moins 1 sur x moins 1. Cher ami, ici, on a vu une expression que l'on a déjà utilisée en classe de seconde. Limite lorsqu'il tend vers 1 de f de x est égal à la limite lorsqu'il tend vers 1 de x au cube moins 1 au cube. Car moins 1 au cube nous donne 1 sur x moins 1. Nous allons donc faire appel à la propriété a au cube moins b au cube. Cette propriété nous donne a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. C'est cette propriété-là que je vais utiliser pour résoudre x au cube moins 1 au cube. On a donc x moins 1 facteur de x au carré plus x et puis 1 me donne x et plus 1 au carré. Chers amis, notre limite devient dans ce cas limite lorsqu'il tend vers 1 de f de x égale à la limite lorsqu'il tend vers 1 de x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Car 1 au carré fait toujours 1. Sur x moins 1. Le haut et le bas se ressemblent. On a donc limite lorsqu'il tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. Nous allons donc remplacer tous les x par 1. On a la suite limite lorsqu'il tend vers 1 de 1 au carré plus 1 plus 1. On obtient dans ce cas limite lorsqu'il tend vers 1 de 3 qui donne 3 avec 3 appartenant à 1 réel. Chers amis, la limite lorsqu'il tend vers 1 de f de x est bel et bien égale à 3. Et 3 appartient à 1 réel. Du coup, l'on peut conclure. Donc, f est prolongeable par continuité en 1. Et nous allons préciser soit g ce prolongement. Soit G son prolongement. Chers amis, vous allez maintenant traduire l'arbre de prolongement. Alors nous allons émettre pour X appartenant à notre B de F qui est égal à R privé de 1. Notre fonction G de X est égale à f de x et g de 1 nous donne 3. Nous allons matérialiser pour dire pour x appartenant à d est égal à r privé de 1. Nous allons avoir g de x qui est égal à notre fonction x au cube moins 1 sur x moins 1 sur g de 1 qui nous donne 3 avec 3 appartenant à R. Cher ami, j'ai répété deux fois quand il n'y avait pas de place. Ok, nous allons aller dans le cas numéro 3. Le cas numéro 3. Nous avons X qui tend vers racine de X moins 2 sur X moins 4. Alors, cher ami. Eh bien. Ici, nous avons la fonction F de X qui est égale à racine de x moins 2 sur x moins 4. Alors, cher ami, premièrement, il faut déterminer l'ensemble des définitions. Donc, déterminant d de f. Ici, qu'est-ce que nous avons dit? Pour x appartenant à d de f, on a x moins 4 qui est différent de 0. Donc, x est différent de 4. Le d de f est égal à r privé de 4. Une fois que vous trouvez l'élément, vous êtes obligé de calculer la limite. En deux, calculant limite lorsque x tend vers ce 4 de la fonction f de x
Alors, chers amis, nous avons calculé la limite. Limite. Lorsque x tend vers 4, de la fonction f de x égale à la limite. Lorsque x tend vers 4, de racine de x moins 2, le tout, sur x moins 4. Très simple. Ça fait la limite. Lorsque x tend vers 4, de racine de x moins 2, et en bas, nous avons racine de x élevé au carré. Racine de x élevé au carré, nous donne x. Et 2 élevé au carré me donne 4. En bas, nous avons automatiquement une identité remarquable. On a racine de x moins 2. Et en bas, on a racine de x moins 2, facteur de racine de x plus 2. Une fois que c'est fait, vous allez simplifier ces deux écritures-là. On a la limite lorsque x tend vers 4. Et en haut, lorsque vous simplifiez, il va rester 1. Et en bas, il va rester racine de x plus 2. Vous allez remplacer x par 4. Vous obtenez la limite lorsqu'il tend vers 4 de 1 sur racine de 4 plus 2. Racine de 4 me donne 2, 2 plus 2 me donne 4. L'on obtient ici 1, 4. La limite, lorsque x tend vers 4 de f de x est égal à moins 1 quart. Avec 1 quart qui appartient à 1 réel. Une fois que c'est fait, vous concluez. Donc, f est prolongeable par continuité. En quel point? En 4. Et dès que c'est fait, vous supposez une fonction. Soit G son prolongement. Une fois que vous dites que G est le prolongement, vous faites le schéma. Qu'est-ce que le schéma? Pour x appartenant à l'intervalle d de f qui est égal à r privé de 4, vous avez la fonction g de x qui est égale à la fonction f de x. Et en même temps, chers amis, nous allons mettre la fonction f de x. Il s'agit donc de racine de x moins 2 sur x moins 4. Et je dis que g de notre fonction a, et on a traduit la limite en 4, et nous avons trouvé un cas avec un cas appartenant à R. Une fois que c'est fait, vous avez fini. Vous partez au cas numéro 4. Le cas numéro 4, il s'agit de x qui tend vers 2x plus sinus x, le tout sur x. Comment procéder? Alors, chers amis, f de x serait donc égal à 2x plus sinus x, le tout sur x. Une fois que c'est fait, vous déterminez d de f. Alors, pour x appartenant à d de f, l'on a notre d de f, x différent de 0, le dénominateur. Dans ce cas-là, d de f est égal à r privé de 0. Une fois que c'est trouvé, vous partez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de calculer la limite. Donc, calculons la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x. Vous voyez que c'est un cheminement à respecter. Une fois que c'est fait, vous allez désormais calculer la limite. Ok, donc ici, f de x est égal à 2x plus sinus x sur x. Chers amis, vous allez rendre au même dénominateur. Vous avez limite. Lorsque x tend vers 0, et là, vous avez 2x sur x plus sinus de x sur x. Chacun a pris le dénominateur qui est appelé x. Vous avez limite lorsqu'il tend vers 0 et 2 sur 2. On obtient ici x sur x, on obtient 2 à parler ici plus sinus de x sur x, chers amis. Alors ici, ça fait la limite lorsqu'il tend vers 0 de 2 plus la limite lorsqu'il tend vers 0 de sinus de x sur x. Ça, c'est une limite de référence en 0, ça me donne 1. Alors, on obtient donc 2 plus 1. Vous obtenez 3. Avec 3 appartenant à R, vous avez limite lorsqu'il tend vers 0 de f de x est égal, cher ami, à 3. Dans ce cas-là, vous devez justifier d'abord la limite. La limite lorsqu'il tend vers 0 de sinus de x sur x est une limite de référence, ça me donne 1. Alors, la limite
lorsqu'il s'en va 0, 2, 2, me donne aussi 2. Une fois que c'est fait, vous dites que F est prolongeable par continuité. En quel élément vous avez calculé en 0? Soit G son prolongement. Une fois que c'est fait, vous donnez là pour x appartenant de d de f est égal à r privé de 0. G de x serait donc égal à la fonction f de x. Et g de x est égal à 2x plus sinus x sur x. Quant à g de 0, vous trouvez 3. Ce 3-là appartient à R. Chers amis, nous allons passer au cas numéro 4. Au cas numéro 5, s'il vous plaît. Il s'agit encore de f de x. Alors, vous avez f de x qui est égal à racine de x plus 7 moins 4 sur racine de 5x moins 9 moins 6. Lorsque vous avez racine en haut, racine en bas, vous avez deux expressions conjuguées à faire. Donc, chers amis, vous devez suivre. Vous allez d'abord déterminer l'ensemble des définitions. Donc, pour x appartenant, je vais mettre en même temps, déterminant, ddf. Pour x appartenant à ddf, l'on a le dénominateur, racine de 5x moins 9 moins 6 est différent de 0, c'est le dénominateur. Et sans oublier que toute écriture située en bas d'une racine doit être supérieure ou égale à 0. Donc on a 5x moins 9 supérieur ou égal à 0. Toute écriture située en bas d'une racine doit être supérieure ou égale à 0. Ici, vous avez racine de 5x moins 9 qui est différent de 6. Et là, vous avez 5x qui est supérieur ou égal à 9. Vous avez x est supérieur à 9 au cinquième. Quant à lui, vous élevez au carré. 5x moins 9 élevé au carré, différent de 6 élevé au carré. Là, vous obtenez 5x moins 9 qui est différent de 36. Donc 5x est différent de 36 plus 9. Vous obtenez 5x qui est différent de 45. Alors x est différent de 45 divisé par 5. Donc x est différent de 9. Une fois que vous avez trouvé ces deux, alors chers amis, vous devez bien suivre l'axe. Vous placez moins l'infini là, vous placez plus l'infini là. Vous placez ces deux nombres. Quel est le plus petit? Le plus petit, il s'agit de 9 cinquième. Le plus grand, il s'agit de 9. Alors, x est supérieur ou égal à 9 cinquième. Donc, supérieur va dans ce sens, va l'assurer. Et c'est privé de ce nombre. Alors, une fois que c'est privé de ce nombre, quel est le g de f? Chers amis, le 2 de f est égal à, on a dit c'est supérieur ou égal. Donc, nous allons fermer en 9 cinquième à plus infini, privé de du nombre 9. Alors, la limite c'est en 9, nous allons calculer la limite. Si il y a racine en haut, racine en bas, il s'agit de double expression conjuguée. Racine en haut, racine en bas, deux expressions conjuguées, donc ça double. Donc la limite, lorsqu'il s'en fait 9 fois 2, un long trait, vous faites l'écriture d'abord, x plus 7 moins 4, vous donnez son conjugué. X plus 7 plus 4, voici le conjugué de premier là. Vous faites le conjugué encore depuis qu'en bas. Racine de 5x moins 9, son conjugué c'est, voici, plus à la place de moins. Vous revenez en bas, vous faites conjuguer lui là, mais bien avant de commencer par lui d'abord. 5x moins 9 moins 6 facteur de 5x moins 9 plus 6. Et vous faites conjuguer lui qui est en bas aussi. X plus 7 moins 4, son conjugué ça fait plus 4. Et vous prenez moins 4, son conjugué fait plus 4. La limite lorsqu'il s'en va 9. Ici, on a identifié le marqueur A moins B, va faire A plus B. On obtient racine de X plus 7 au carré moins 4 au carré. Dès que vous finissez, vous mettez crochet pour ne pas que ça confonde avec le seul terme qui est resté. 5X moins 9 plus 6. Quant à le bas, il a bien remarqué à bord. Racine de 5x moins 9 élevé au carré moins 6 élevé au carré. Vous mettez en crochet et vous recopiez les petits qui étaient là. Plus 7 plus 4. Alors ici,
rapidement, ça me fait la limite, donc 629. Et là, la racine va partir à cause de carré. On a x plus 16. Là, on a moins 16. On a racine de 5x moins 9 plus 6. Ici, on a 5x moins 9. Et là, on a moins 36. De racine de x plus 7 plus 4. Cher ami, on va effectuer encore le calcul. La limite de 629. Ici, x plus 7 moins 16. On obtient x moins 9. On a racine de 5x moins 9 plus 6. Et là, on a 5x moins 45. On a racine de x plus 7 plus 4. Cher ami, on a la limite. Lorsqu'il est 29, le haut, on a x moins 9. Et là, nous avons mis 5 en facteur. On a x moins 9. Et en haut, on a racine de 5x moins 9 plus 6. Quant à le bas, on a racine de x plus 7. Donc, vous calculez la limite en 9 d'une écriture, vous les simplifiez, automatiquement il y a 5 ici, et qui vous remplacez le x par 9. Vous trouvez 12 sur 40 qui donne 3 sur 10. Automatiquement, f est prolongeable par continuité à 9, soit g son prolongement. Et vous répétez votre écriture.